Bonjour, président Gustave. Oui, bonjour, mon Amboka. Président Gustave, vous avez encore une politique pour la République démocratique du Congo. Vous avez pour la télévision plus de 100 000 abonnés à ce côté branché. Vous avez encore une fois. Premier sujet, vous avez encore une agression dans la est de la République démocratique du Congo. Vous avez encore une fois un affrontement entre les FARDC, les groupes armés, rebelles, M23. Parce que vous avez encore une victime de la République démocratique du Congo. Il y a des RDC qui ont évité pour aller constater bon. Peut-être que les sous comme les talibans américains, les russes, ils ont envisagé toujours RDC comme un corruption. RDC, par rapport à leur matériel, il y a des bondes. Ils ont évité mon ambo casse, comme on voit que ceux-là, les gagnent. Peut-être que les sous de ceux qui sont du côté de 21 000 dollars, mon ambo casse, Martin Fayoulou, a marqué qu'il sur 21 000 dollars de base budgétaire. D'ailleurs, ma casse, vis-à-vis du sommet de l'État, 21 000 dollars par député, c'est purement trop. Tu évites mon ambo casse. Vous avez même placé une classe de l'immobilier sur réellement des pieds, on aura 21 000 dollars. Peut-être que le sous de ce côté-là, incendie au salon dans le marché de la liberté, place au fief Naïzali. J'ai vu moi, bonjour, mon Amboka. Mon Amboka, tu as besoin de supporter directement toutes les politiques qui arrivent sur le Congo, mon Amboka. Oui, d'abord, on a eu beaucoup de santé, d'abord, malamu, et aussi l'actualité politique qui est en Amboka, surtout, et que ça a beaucoup plus centralisé sur la guerre qui s'est passée à l'Est. Et ça a eu la guerre qui a voulu par, je dirais, les multinationaux, c'est ça le terme à utiliser, et puis de deux, par nos alliés, au Bazali, qui ont partagé la même frontière en Abisso, donc le lot, Bazala Kava hypocrite, et Nabilo Koutiko Salama, na Est, Koutiko Salama, je crois que c'était entre hier et avant-hier, Bitumba Makasu et Bundami, entre le FARDC, Naba groupe rebelle, en tout cas, ba rebelle on attend au bazar au Kima moto au Yofar de Sazali ko beta bango, ba zali ko sala ba sabotage. Alors ba sabotage na bango, ba sali yango na ba peuple autochtone au tebenga ka ba pygmé, les innocents au yo bazan na kat sa makambo anate et bango ba profiter pour massacrer bango ko boma bango. C'est par là que je lance un appel je dirais na communauté internationale. Vous ne voyez pas comment est-ce que le ZADF, le terroriste que le Rwanda soutient, que certains pays, je peux citer aussi les noms, l'Ouganda soutient, que d'autres pays soutiennent ce Tobi, Totia, certains occidentaux, certains pays, je dirais, de l'Occident, au Bazali pour soutenir le mouvement rebelle, au Bazali pour Boma, le Congolais gratuitement, et jusqu'à ce que Baye soit tué au Ezali, le Pygmé. Je suis condamné avec la dernière énergie, mais je suis dit que le Congo se sentait déjà comme coincé, comme faible. Il fallait faire un geste de sabotage pour freiner l'élan de FARDC. C'est ainsi que les Congolais ont été autochtones, les pygmées. Voilà ce que je fais. Mais mon amour, le Cambo, tu vois, c'est que ça fait des décennies, mon amour, chaque débattant, mon amour, fait tout ce qui est avec Kim, ça coûte à Kim, à la est de la du Congo. Mais les politiques, c'est que ça coûte à Kim, mon amour. Non, au moni, et loco, oyo, ça fait près de deux décennies, hein, de mon lobby, le président Félix, c'est qu'il a eu beaucoup d'assistants, mon ami, c'est Fanda. Je ne sais pas si je vais comprendre très bien. Donc, ça dit, tant que deux décennies, ça fait déjà 20 ans. 22 ans, mais depuis AFDL à Kota, Nakati à Mboka na Biso, en 1997, AFDL à Kota Tilelo, ça fait, je dirais, pratiquement 23 à 24 ans déjà, vous comprenez? Donc, je dirais même 25 ans déjà. Donc, comprenez qu'avec 25 ans, au phare de AFDL à Kota, Nakati à Mboka na Biso, à Kota na Rwanda, James Kabarebe a dirigé l'armée Nabiso au même moment qu'il a dirigé l'armée rwandaise.
et on avait des postes stratégiques et clés. Il y a sécurité na défense. Et ça là qui n'a pas beaucoup y a ba Rwanda. Et sous quoi qu'il y a été baboti na ba fille na biso. Donc le Rwandais ba ye baboti na ba congolaise na biso awa. Bano bango baboti il y a cela 20 ans, banana ba comme na ba 19 ans le lot. Bamsou ba comme na ba 20 ans, bamsou ba 21 ans. Et ce sont ces enfants-là, à deux fois, qui sont en train d'utiliser comme des espions dans le cas de Kanabiso. Or, c'est difficile maintenant, dans le présent, Félix Tshisekedi, c'est difficile, dans l'armée congolaise, il y a qu'à détecter directement que non, celui-ci, c'est un infiltré, parce que ce sont des Congolais, Bola Anabango, Bola Mukanabango, mais en réalité, leurs âmes appartiennent aux ennemis. Donc, le long, le chef de l'État, Zali Kobundana, il y a une guerre dans nos cités, mais c'est total une guerre où ils allaient là quand ils commune. Vous serez d'accord avec moi que ils allaient qu'au Kendeko, si là comme malin, malin ben. Mais plus grand de fois, ils allaient que on nous avait donné l'embargo pour ne pas acheter des armes. Mais le col la Monisco, au travers son porte-parole politique, avait reconnu que la RDC n'est plus sous état, sous l'embargo plutôt. Et que bah Arménion sur Oyo RDC voyez qu'on consomme à consomme mais dis-moi il faudrait qu'il y ait la notification donc là ils ont profité comme c'est un chef de l'État pour équiper vraiment bah militaire en abysse afin que tout traquer tous les ADF tout le M23 tous les étrangers rebelles au basali na sol congolais nanzela est. Mwanamboka Gustave Mikolitsi ko lekate soko muna ministre ya défense mwanamboka Gilbert Kabanda akendaki na ngambo ya Rissi pona kuluka nini ni mwe kuluka ni je sais pas quoi dire na kota la depo ya mibundeli ya bayimbo ka Rissi soko mwana bozongi ne soko mwana pe délégation américaine parce que est-ce que na répile ko sente ko pas ko négocier ko pe a de semo mibundeli pona ko ba ko traquer ba yi jamais mwanamboka boni boni politique yo sale mwanamboka entre les Russes et les Américains. Non, au moins, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a kenda ki kuna pour na rokende kota là d'abord, parce que c'était une période où yo Barus Bazalai kosa l'exposition, il y avait armement na bango, et c'était en quelque sorte une foire, vous voyez un peu. Alors, biso, le coup là, tout ça, na difficulté, tout ça, na déficit, tout na côté à armement. Là, tu vois que bon, pour na tout somme baraté. Minduko, tout ça, na yango, et ça, minduko, y a ancienne génération. On a vitesse, y a monde des alliés qui kende, ça demande à ce qui est, je dirais, remplacement, y a ba nouvelles armes. Alors, yango, ana, le ministre. Non! Koza la nakati embargo, et peki souko kende kota la te, embargo de peksande, ko somba kaka. Mais en bas, parce que si côté la terre, il y a Ngoana, le ministre qui est là, mais dans le côté de la Sougaïka, dans le côté de la terre, il y a une coopération militaire avec la Russie, Oyo, Baloba, qui est centre de formation militaire dans Bango, et ils ouvert pour former les militaires congolais. Donc c'était vraiment un pari gagné pour Nabiso. Et aussi, côté là, pourquoi est-ce que Kolongwa, il y a Gilbert Kabanda, Kuna, et salimo ba nungu nungu nanzela aux États-Unis au moni mbala moko les Américains aussi ont demandé à ce que ba ko former ba militaire na biso c'est la politique oyo le chef de l'État zali ko beta nanzela la diplomatie na ye donc lelo oyo ko wele la oyo zali entre Rissi na États-Unis ezali ko laksa ke non la RDC est une femme maintenant qui a une bonne santé est une femme maintenant qui a tué donc ça dépendra maintenant na biso ko RDC kota la. Mais si on a un intérêt direct Nabiso et Zali, parce que lorsqu'on a besoin des États-Unis d'Amérique ou lorsqu'on a besoin de la Russie, c'est pour que la guerre cesse à l'Est. Et pour la guerre ait cessé, et Sengelito Zalanaba, armement moko sophistiqué, pour qu'on repousse les ennemis. Donc quant à moi, je trouve ça normal, je trouve ça logique. Ceux qui l'ont reçu dans les États-Unis, Zali, qui est là, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mon amour Gustave. Vous avez mieux placé à quoi il y a vérité. Parce que vous avez un moment où député, un ministre, la République de l'Occasion du Congo, le Cambotali, des passes budgétaires. Oh, mon amour Martin Ferreira, vous déplorez à tout moment. Cambotali, 21 000 dollars, mon amour Gustave. Bon, il y a un député, monument, un député, 21 000 dollars, mon amour. Au moins, le salaire, quand on parle des salaires, les salaires, il y a une rubrique. Et toutes ces rubriques sont détaillées dans le bulletin de paye. Comprenez?
Martin Fayulu alobi c'est depuis le mois de janvier 2022 nde ba député ba comment ils reçoivent déjà ba 21 000 $. Je me demande par quelle magie, parce que tout le monde va bulletin de paye jusqu'au mois de mai. Il va attester que le député touchait 14 millions de francs congolais, quelque chose. Or, si nous, nous prenons ces 14 millions, nous les convertissons en dollars, ça donne à peu près 7 000 $. Oyo, le député va s'aller toucher. Alors, c'est à Martin Fayulu de nous dire d'où viennent les autres 14 000 $ pour compléter le 7 000 que ça fasse 21 000 $. Il y a des fois justifié en part des documents, au lieu à l'obéir au part des blabla. Nous connaissons l'ère politique. Lorsqu'ils n'ont plus de matière, ils cherchent à manipuler la population. Nanzela, il y a des mauvaises informations. Nanzela, il y a des mensonges. Vous serez d'accord avec moi que dernièrement, quand l'actuel gouverneur Yabank a signé un nouveau billet, il fallait qu'il soit tout balia. Mais nous avons vu les gens de l'opposition. L'opposition a pété, qu'on véhicule un message que le Bakenon, bon, il y a un bon, on a été. Parce que signature ou anana signature ou yakala et zé akoko kanate. Ce n'est que normal parce qu'il ne maîtrise pas les normes. Billet de banque mouta signa kango et zalaka gouverneur. Et ceux qui m'ont ya sikelinge bima, c'est-à-dire ba série ya sikelinge kobima. C'est le gouverneur qui est en fonction qui doit signer. Il ne doit pas aller prendre l'ancien gouverneur pour signer, non. Et l'obité que le col a tosukara na 10 000 à 20 000 francs et c'est le gars qui a gouverneur ou un calendrier qui a signé. Au moment où nous avons le nouveau gouverneur. Donc, Talaka Kandenge Balinge va manipuler les esprits faibles et comprenant déjà que certains Congolais basalaka facilement manipulables. Au courant qu'on conseille les lots à récupérer des informations, on a surtout sur Alingi Mutuanate et à commiper, qu'on balancer en gros comme si c'était une vraie information ou en réalité c'était les mensonges. Donc, moi je peux dire, quant à ce qui concerne 21 000 $, jusqu'à un mensonge. Ça deviendra la vérité ou une vérité le jour où Martin Fayulu a commémoré la biso, a rassemblé ma bulletin de paye, a rassemblé les manios, ça lui attester réellement que non, ma député Bazouaka, 21 000 $. Ma député, il y a une situation particulièrement bonne, on va appeler ça un bon quelque part. Non, écoutez, ça ce sont des mensonges. Mais tu sais comment on appelle mon amour, Jean-Marc Kabound, en matériel, on appelle un parlement. Non, Jean-Marc Kabound, écoutez, Jean-Marc Kabound, à l'obélaka, il y a un gros lobby que, en tout cas, train de vie, il y a une institution. Il n'avait pas parlé seulement de l'institution parlement. Ouais. Il a parlé de plusieurs institutions où le train de vie n'ango est élevé à Sengaki ba kitisengo na c'est pour que mbongo na msusu aide na population. Et vous serez d'accord avec moi que le président Félix Antoine Tshisekedi avant le récent conseil des ministres, il en a parlé. Aloba ki ango kutu avant Martin Fayulu abimisa babilo kwana et Martin Fayulu tanga yoki que le chef de l'État a insisté sur la réduction en train de vie à l'institution. C'est ainsi qu'il a créé Biloko Alinko Kriwana Abuzoba. Mais coup de chapeau, aujourd'hui, nous voyons quand même le militaire, le veuve militaire, au Vandaï, qui a touché 36 000 francs congolais à l'époque, il y a Kabila. Le Lobazo a touché 250 000 francs congolais. Le chef de l'État est en train de faire. Et j'aurais bien voulu voir aussi Martin Fayulu pour applaudir le chef de l'État pour Nakolobakenon. Il a valorisé le militaire, le femme militaire congolaise. Mais malheureusement, moi, na mobile oyo a mis ça toujours na lokuta pour na salaka ba buzz na yi. Merci beaucoup mon bra gesta. Tout le temps mon ma chef de l'État. Ça ka diplomatie, la mariage peut ka diplomatie. Non, écoutez. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas aller rendre visite à sa famille? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas assister au mariage de l'un de sa famille? Non. Wana c'est que tu veux confondre le chef de l'État au départ d'abord. Kabila, le problème, on ne connaissait pas Sendeko. C'est ça le problème. Souhaitez Bandeko Kabila, Kabila allait assister. Bandeko Kabila, Bayebanate. Kabila, mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a droit d'assister quand même. Dans le mariage. Non, légèreté dans ma cité. Ceux qui sont roi, assister à un mariage, il n'est pas le seul président. Il n'est pas le seul président.
À part Mobutu dans la carte d'Afrique, il y a plusieurs présidents qui assistent à ça. Prenons même le cas de Sassou Nguesso. Sauf que ici au Congo, les gens ne veulent pas voir le chef de l'État se détendre. Ils ne veulent pas voir le chef de l'État manger. Sokazolia, oh, Aliandengenini, parce que guerre est en Est. On a vu récemment ici les soi-disant opposants. Bazolia, tu vas bien la fête. Donc, bon, on est là, il faut pas bien. Bon, on est, il faut pas lire. Le chef de l'État n'a pas le droit de manger. Non. Là, ce être inhumain, même Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, il lui faim et il a mangé. Vous allez me dire que non, Jésus-Christ ne mangeait pas. Non, il mangeait. Jésus-Christ, c'est lui qui était Dieu. Il ne se rendait pas dans de fête. Son premier miracle, fête de Cana, à Bongolima et Nabino. Batika, Koko, Sabiso, Makambo, Zangati, Nawana. Batika, Koluka, Ko surcharger le chef de l'État. Moi, je comprends. Bato, Bayebi, comment avoir une bonne santé? Il faut qu'on soit là, moment moko, il y a ba détente. Quand tu te détends, on va chasser le stress. Et ça, là, que le cerveau na yo, et se refroidi, et ils ont les sous frais, et on va retravailler ma lame. Mais quand tu es tout le temps au travail et que tu n'as pas un temps de repos, tu n'as pas un temps de divertissement, au co risqué, au comment surménager, et quand tu es surménagé, attention, tu peux craquer. Tu peux craquer. Donc, Kobi met un chef de l'État, au-delà, il y a diplomatie. Il peut aussi se détendre. Ça peut aussi être un congé pour lui-même à 2 jours, moins 3 jours. Ça peut être aussi un moment de retraite pour lui d'un jour ou de 2 jours. Donc voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, Mme Bouga Gustave. Jean-Marc Aboun, peut-être ce que mon requête n'a eu à résidence surveillée si vous allez retraiter. Et pas ici, je me dis, promets-toi qui qui a Rosala la résidence surveillée de t'éviter sur le téléphone et les lits que vous avez dit. Non, écoutez, Jean-Marc Aboun était déjà mis dans la condition au Toulobaka, il y a surveillance, il y a résidence surveillée. Voyez un peu. Donc, il a été déjà assigné à la résidence surveillée. Mais le problème, c'est quoi? Les gens doivent lire. Quand on parle du droit, l'état des droits, il faut respecter le texte. Il y a toute une procédure pour établir le droit. Il y a toute une procédure. Il y a plusieurs séquences. Il y a plusieurs étapes à parcourir. Comprenez un peu. Alors, l'article 76, il y a loi sur l'instruction d'une affaire, il y a cour de cassation. Lorsque une affaire est en instruction, comment ça peut se passer si on trouve que il y a les indices de culpabilité chez l'inculpé? On doit l'assigner en résidence surveillée. Maintenant, Balobi Boeka a même article. La résidence surveillée, Moutoua Zali qu'on définit la modalité, c'est la cour de cassation au travers son juge. Le juge n'a pas quoi apprécier. Quelles sont les modalités pour que celui-ci soit assigné en résidence surveillée? La résidence surveillée est l'obika kate, il ne faut pas qu'un décotier ait un nakuna yo. Non! On peut délocaliser ta maison là, c'est-à-dire, basu ndakumususu, l'État roi kozwa ndakumususu, apesiyo. Tu n'es pas en prison, mais tu es dans une résidence surveillée. Et ça va te yonde moutu faut imposer, non. Puisque cette matière est déjà très bien éclairée, très bien éclaircie plutôt, la matière est tellement limpide que c'est la cour de cassation qui définit les modalités. On a trouvé que ça ne va pas créer des problèmes, ça ne va pas créer les désordres, on te laisse. Mais on a trouvé que kofana nanda kunayo et qu'on a peut-être malamouté. Ba memio ba kiko tcho nanda kumususu. Maintenant, le problème, chez Jean-Marc Aboun, il refuse l'autre résidence qu'on lui avait proposée. Yé alobi, niévo résidence na yé de Kingabwa. Au cas où on refuserait sa résidence de Kingabwa, il accepterait de rester dans la cellule, dans la prison. Donc, le lot Oyo, que les gens ne condamnent pas la justice congolaise, je m'excuse, que les gens condamnent Kaboun parce que lui-même ne veut pas aller en résidence surveillée, à Lingaza Kananda Kunaye, a refusé la résidence qu'on lui a proposée par la justice. Merci beaucoup, Mme Bouga Gustave. Merci beaucoup, Mme Bouga Gustave. Je suis en gestion de vie de Kinshasa, je suis en gestion de la ville de Kinshasa. Je suis en gestion de la ville de Jérémy, Mme Bouga Gustave. Je suis en gestion de la ville de Kinshasa, toujours mal gérée par
autorité à Katia et à vie de Kinshasa. Au moni le lo oyo, batu bazala trop na ba sentiment. Et comment ça la passe Hermoro Kolobanaote? Parce que quand tu dis des choses qui sont vraies, au moins, attends, sous Batman, ça n'a pas encore comme au finger. Pourquoi? Parce qu'ils ont à des fois des avantages, ils ont des fois à des fois des entrées faciles, ils ont peut-être des très bonnes relations. Vous comprenez? La ville-province de Kinshasa est très mal gérée. Pardon, président? La ville-province de Kinshasa est très mal gérée. Comment ça? Test de car à Liboso, au topé ça, Nangobila, il y a Kinshasa, Bopé, tout, si l'élo. Na beta rama sola ba kanivo na moni a sauté na ba kanivo. Mais est-ce que ba kanivo na ba osala ngondenge sengeli? Je vois ba bimisi ba mabele parce que ba kanivo ezala rempli na ba sable. Ba sable ane za ba sable o bato ya nzela ba kombolaka. Ndenga na lo ba bato a gentili ba kombolaka. Ba ju mabele ba tie mupanzi. Tamu batu ba kotambola ezongi lisusu na kati ya libulu bangolo musu ezongi na libulu na ba kanivo. Musu ezongi na makadam po na bango ba taba kombola lisusu parce que ba yebi que ce ba kombola ba bele sili di bela. C'est ça le mal aujourd'hui. Bakanivo est comme Kozonga toujours bouché, les Kokomona. Bakanivo va m'appeler au balongola qui batient Mupanzi. Tant que Kauke est comme Kozonga Nakati et comme Kotia, salité Nantela. Politique, il y a évacuation et salité. On doit évacuer. Moi, j'ai travaillé dans le curage. J'ai travaillé dans le curage, j'ai travaillé dans POC. N'époque il y a Union européenne. Je travaillais là-bas. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ceux qui t'ont sali curage nabiso. Tobimisi biloko wana. Il faut te évacuer en haut au moins dans 48 heures. Pourquoi dans 48 heures? Parce que ba mabele wana o ezala na mai. Nane okauka malamu te e koma poussière te topé koma sable te. Mais ceux to tiki ango dépassé ba 72 heures. Et comme je dirais, 92 heures, vous comprenez un peu, ça crée déjà des problèmes. 96 heures, ça crée déjà des problèmes. Et comme poussière, poussière, on est comme monsieur, on a terrassé, monsieur, qui m'a bala bala, et même ici, nous sommes sous monsieur, on va vous taire comme ça. Mais ceux qui vont évacuer en haut dans 48 heures, et ça, nous n'avons pas de mal, nous n'avons pas de mal, et puis. Attends, la bêche, il n'y a pas de bolongola, très bien, parce que tu as un bolongola des fois dans la bêche. Mais malheureusement, Gentiline Ngobila, Azali ko tatoné dans ma kamoumoussou. Deuxième élément qui prouve que Gentiline Ngobila n'arrive pas à gérer la ville province de Kinshasa. Les embouteillages partout jusqu'à ces jours. Les embouteillages. Bado dans la politique, il y a qu'on désenclaver les avenues. Il y a qu'on débouchonner les avenues. Il y a aussi les embouteillages. Et les embouteillages, même ici, quand on a des embouteillages, il n'y a pas une rigueur. Je te donne un exemple aujourd'hui. Embouteillage, c'est un bidon. Et comme il s'est créé entre, je dirais, entrée à Kimbuta. L'entrée à Kimbuta. Embouteillage, c'est un bidon comme il s'est créé. Soit dans le temps, soit dans le midi, ou soit le soir. Comment? C'est là qu'on a un bakangayango. Nzelo ezalaki outi Pascal outi Bitabe au katisimba mo okoti kimbuta bakanga yango et comment il faut mata côté apocalypse au baluki mais sikoyo bandambu ndambu ya ba béton o batia wana tellement que e créé ba espace batu ba bouger yango et comme ko sala batu ya ba moto ya deux pneus na ba moto ya trois pneus ba komi oleba kende ko balukela kuna ba balukela kaka wana comme conséquence. Tant que vous avez un côté dans le cas, va créer un embouteillage et vous bloquez les sous-sous. L'État, ça fait presque un mois, nous avons observé, et ça peut être pour balancer. Donc, moi, j'ai dit que, dans le niveau de la bourgmestre, Chantini Ngobila doit instruire ses bourgmestres. Et le service, si fait fan dans le cas, il y a la commune pour la colande. Mais malheureusement, pour eux, c'est seulement de l'argent. Oui, Bimaka, dans le ministère des Finances, pour la consigne, ça m'a cambouillé à Kinshasa, Bopeto. Serait bimi, je ne sais pas. Serait bon, on est comme un agnon, parce que j'étais avec d'autres bourgmestres au Bandai Kolela. Balobi qui va faire sa rabiso sous son bon côté, tout ça, la moussala au Bandai Kosala, Bamour et comment au Kenina, au ONG. Donc, ils allaient passer. Tu es ici dans Gentil Ngobila, en tout cas, Sungabiso, hein, Sungabiso, parce que bientôt 2022, bientôt plutôt 2023, marché central peine à nous solliciter.
Et marché de la liberté a utilisé jusqu'au Zika pour la deuxième fois. Na comité de gestion na oyo tchela bisoana. Na administrateur na yo oyo incompétent. Oyo aye avec une fausse politique sur le plan sécuritaire. Vous voyez un peu. Administrateur a mis à la liberté. Administrateur y a marché à la liberté. Très incompétent. Je te dis que très incompétent d'ailleurs. Un homme qui n'a pas même de garde à l'endroit du chef de l'État parce que. Il y a eu même des histoires, c'est les caca, mbalé, les caca, qui n'a pas d'égard même, je dirais, naba lié naye. Il n'a pas d'égard. Parce que lui est de l'ACP, hein. Adara qui n'a pas perdu, et puis, Bazouye, Baché, na ACP, les lots, à d'autres travailler. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la politique. Mais il doit travailler dans la vision d'abord du chef de l'État, et deuxièmement, travailler pour donner un coup de pouce à Moutou Anoma qui est son gouverneur ou Anoma qui est comme administrateur. Naza n'a pas réalité belé le haut. Régie des eaux. N'a qu'à ta marché de la liberté à la réalité. Parce que c'est là qui poste à PCA ou 8 ans. Non, écoutez, d'ailleurs, on a l'oba. Non, mon frère. Non. C'est l'oba que. C'est la poste équipée, c'est à ce que la poste équipée, c'est à Nazoua qui a voté et que Naza m'incontent. Nangana s'adressait dans le CSG Kabouya. J'allais parler peut-être au président de la République. Maintenant, on a lobby dans Bangote, c'est-à-dire les Kambouya qui paient, c'est à n'a rien à voir avec Kouna. Non, laissez-moi, non. Le panier circule encore, mon frère. Non. Le panier circule encore. Je suis parmi les jeunes Oyobawe Lissarate. Dans le bac, non. Mon collègue Kosengela, peut-être que non, pas peu sans rien à travailler. Je vais travailler parce que j'ai été toujours bon partout où je suis passé. Je travaille. Et maintenant, on a travaillé quand je me donne à fond. Donc, Likambouya qui paie, c'est un mandataire, n'a rien à voir avec Makambouya administrateur. On a l'obéra. N'a pas dit quoi attaquer Makambouya. Non, mon frère. N'a lingi yo quoi sans rien à polémique ou en athée. N'a pas dit qu'on s'attaquait dans la gestion Oyo et administrateur. Avant même ma nomination, il y a ma mandataire et salama. Vous comprenez? 3 jours, 4 jours avant ma nomination, mandataire et salama. Nasataka kinaye, régie des eaux, maezate, na liberté. Ce qui maez à la kana liberté, avant Koutou, je crois, ma camion entier incendié, ya, batoubalinga, batoka maï na ba cantine, basouba, pona batoubalouki maï, maezate na marché de la liberté. Maï pe, kozanga, maï et saliko, ba incendie, wana et s'amplifié. Et tumba plusieurs pavillons, et tumba ma boutique. Et aujourd'hui, des milliers de personnes, je ne parle pas des centaines, de milliers de personnes souffrent. Parce que le marché de la liberté, c'est plus de 15 000 personnes au Baté Karanaka. Tu en as plus de 15 000 personnes. Donc, des milliers de personnes au Bazali qui ont souffri. Le lot, pourquoi? Parce qu'il y a eu une légèreté, il y a eu une incompétence terrible. En ce qui concerne la politique sécuritaire, Oyo administrateur à mettre dans le marché de la liberté. Et chose grave, il avait voulu chasser tous les agents de sécurité, tant que des ordres et salami, à chasser, bah, on se prend à Tigara, on va policier, mais yinda qui n'a pas de mort à Kosaranate. Et yemo ko on appelle Isusu. Yemo ko na. Moi, j'ai toutes les informations parce que. Nabanda wana avant ye aya mama fa tout temps wasalaki mutu kalanga banda ikola la wana mutu kalanga et j'ai des gens qui me fournissaient les informations et ngam repena le kakana pona ko s'enquérir na ba situation et belé makasi avec sa politique sécuritaire ba agent sécurité na babanga ba policier té babanga ka ba policier té or la police ndenga zawana. Elle est censée surveiller même les agents de sécurité. Parce que la police a eu le temps de faire des agents de sécurité, mais elle a eu le temps de faire des agents de sécurité. Elle a eu le système de Yamaboko. La police a eu le temps de à l'époque, il y a Maman Fatou. Et avec son agent de sécurité, Salim Abe, on l'arrête d'abord et on transmet les rapports. Mais aujourd'hui, dans la politique, avant, la police a signé agent de sécurité. J'ai dit bien, avant la police a signé un agent de sécurité, il faut non pas qu'il n'y ait pas de autorisation. Donc, à ta agent de sécurité, il y a un agent de sécurité. Il y a un agent de marché de la liberté, les agents de sécurité, il y a un vendeur, il y a un respecté.
C'est une mauvaise politique. Et dans tout ça, c'est le nom de Félix Antoine Tshisekedi qui est insulté. Ba maman batouba somba kaba mesa. Na entré juste bisika na vira rapona ke no rotia mutuka. Ba maman na balanda nga tongo tongo. Je crois deux jours avant incendie. Balanda nga na tongo. Papa, tu comprends de te bisiko to somba kango na époque ya fat. Tant que l'administrateur a sikaye a teke li biso ango sous to sombi ango. Mais à notre grande surprise, ba ye kolongo la biso a bazui ba teke li ango. Ba société oh ya ba Paris foot wana ba winner ba teke li espace oh ba yebisi biso to kende ko se débrier to ko se débrier ndenge nini tozana bana biso tozana ba mikande espace to somba yango ozoma na mpe biloko ba ko memela biso et déjà tant que biloko bonga do salama toi tu as la politique de gérer mais tu n'es pas en bonne relation avec les gens que tu gères ozo gérer bango bien te mais attention ce qu'a ta danger mon koyé tu penses que bango va repérer sur information non aza votre hasard c'est et ngai na zolo ba lelo oyo incendie wana oyo salamaki c'était un incendie criminel comme l'avait dit aussi Gentiline Ngobila mais j'aurais souhaité voir ces messieurs là être sanctionnés être suspendus j'aurais souhaité voir ce comité de gestion là ba tia ngona nous pensi pour naba mener ba enquête très bien makasi. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Tellement que tel on sentit que le monsieur ici n'a pas d'âme. Comment est-ce, président? Guy KPP. Pour voir que ce monsieur n'a pas d'âme. Moukolo marchait Ziki, Naboutou. Naba 5 heures, moi je sortais parce que là, il y a un parlement de Mouna qui est de quoi ranger. Nazoya Pona Moutou Kalangé Bandai Koula n'a marché de la liberté. Il y a Ophelete Futaka, Bandai Pok, il y a Maman Fat. Tant on a yé. Na moni marché au Zika, na tuni ba policier wabi oui, c'est depuis 3h du matin bandi ko Zika. Anti incendie yaki a meka na 5 bidons ya mai na 4. Ah pe, to na difficulté mai zate to luka kata mai pona robo mai simbité. Mais bisinga président to ko kende ko tala et je suis allé. On a visité papa, j'ai capturé les images. Na ki na parlement debout, j'ai harangué, na expliqué problème dengue ezalaki. Mais c'est Guy KPP. Tangwa yoki. Et à mon indéné n'a balancé parce que on est quand même des amis à niveau ya bah Facebook wana. Et quand je balançais les images là, de quoi qui m'était ma passe. Olia benganga bengingate. Instruit na ba sécurité à marché de la liberté que ce Gustave aille à Mutukana et la rale sous soate. Et aujourd'hui au moment où je vous parle, Mutukana ngezola la wana te. Pourquoi? Parce que je fais mon travail en tant que communicateur et chef de l'État. J'ai alerté. Deuxièmement, j'ai fait mon travail en tant que notable à Massina. On a censé sécuriser le marché. Troisièmement, j'ai fait mon travail en tant que vice-président fédéral. Il y a UDPS dans Katia Tchangou. C'est ma juridiction. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, je dois alerter. Même avant que ma service monsieur ait alerté, moi je dois alerter. Et sur ce, le monsieur m'a sanctionné pour que mon véhicule ait la racounate. Mais quand il y a procédé, il y a non. Je vais déposer une plainte contre lui. On va déposer une plainte parce que parking wana mituka batuela la kayaye bisanga pour quelle raison oyo alobi mutuka nangela la kunate est-ce que mutuka nangai ndeke ndai ko créer ba incendie kuna ou juste parce que j'ai à dénoncer et na suki si wana te nana ba dossier belé on a rebanda ko dénoncer ko banda na dossier ali bosso incendie ali bosso ya ba mbongo chef de l'état bimisaka. Je suis en train de récolter encore plusieurs données et le monsieur, je ne crois pas qu'il va très bien finir. Peut-être qu'il va finir ma béco, le maman Fatou. Fatou, derrière, a beaucoup, je dirais, hein, dans marché, il a fait, je dirais, près d'une décennie et demie dans marché. Mais hier, je ne crois pas qu'il fera 2 ans. Parce que Moutabo, c'est un petit peu il y a un encore, il y a un Mikolo, il y a un marché de la liberté, il y a un Koufi. Na bisika ya côté kate basi batekeli. Bisika ya côté kate batekeli ba particulier, batekeli ba ministre na bango. Na bisika ya côté kate. Merci beaucoup. Batekeli na ba ministre provinciaux, ba masse na bango ya ACP. Ya ACP. Batekeli bango bisiko ba sengeli côté kate, batekeli bango. Marché à l'état, ba komi côté que lango ba particulier à suivre. Merci beaucoup mon Gustave Molobeya, Félix Antoine Tshisekedi na Kamotali.
na parti ya Changu, hein, Changu non, Masina Changu. Oui, Changu. Tout le monde est mais je suis venu ici pour lancer des bateaux partout dans le monde entier. Non, on a bateau parce qu'on en a partout dans le monde entier. On a des coups de bango que continuez toujours à nous faire confiance, continuez toujours à nous assister. Et d'ailleurs, Nazana posa ya bandeko o bakoyi ko sala moi bloc moro boye pour na Gustave Lutumba, hein, donc bloc moro de soutien pour na Gustave Lutumba na niveau ya la diaspora donc partout bozo landangai parce que je serai bel et bien candidat député provincial na 2023 donc na lingi déjà bloc wana et salama autre banda ko réfléchir na bango ensemble comment faire et ope ba rolinga peut-être ko venir en aide sur le plan financier et matériel. En tout cas, ils y seront le bienvenu. Et aussi, Bandeko Oyo, parce que je suis le chargé, il y a mobilisation et action. Il y a l'UDPS, Nakati, il y a Changu. J'ai besoin de soutien aussi à ma vraie combattant pour n'en passer dans l'action avant 2023. Alors, il faut procéder dans l'action, mais à deux fois, ce sont les moyens qui nous manquent. Plus 243, 89, 457, 33, 88, plus 243, 900, 89, 703 à la fin. Na pesi mbote na bandeko parce que nde na fandi boye to sala émission na za na ba collègue na pe ntinga awa na yoko pesa ba mbote na bo sanité Ridi Balonga na pesi mbote bisika azali na pesi mbote na Gilles Kaloubi oyo na surnommé chef d'équipe hein, chef de file le titulaire hein, il y a parlement debout sans formule na pesi ba mbote belé Gilles Moniere Bambo Tebele, à Lingabino, Ebele Mingi, na Pesimbote, na Dominique Walesa, hein? Yacha Raboui. Sarah Chaboui, ma solo, Ezokota, na Pesimbote, na Gelo, Bambo Tebele, na Pesimbote, na Le Warios, Bambo Te Nabino Ebele, na Pesimbote, na ba parlementaire de Bounios, na Bosanite, Juste Mwamba, Bambo Te Nebele, Eric Ntumba, René, na Pesimbote, na bossa na kité Delphin Yokasson auti kobala hein donc avant-hier to zaki na libala na ye donc to bini to lié titongo soko moni moi vidéo moko peut-être ezo circulé to zalai na boîte té pour bini mo kanto na boîte alai na boîte té to zaki entre nous les frères to bini sin de konabiso donc de konabiso abalaki to bini sé to salié plaisir. Pour la soupe à la côté, Botala Bata Fatine, Bakin Robine Boko, Binez Amabe. Merci beaucoup. Robinez Alamabete, ça fait partie avec exercice. Donc, yeah. Mbote Bele, na prof Kazadi, mon papa, Mbote Bele, na maman Bijou Lekane, maman Chantal Masengu, Mbote Bele, na maman Nelly, Annie Kongolo, na Zo Kaote, Mbote Bele, na Pessi Mbote Bele, na Cyril Assolo, bon rétablissement. Na pesi pembo tebele hein na Eric yanga ikuna bisika ozali ba mbote ebele. Politisi ko mbaka mabanga boy. Non, na pesi mbote. Fo na pesa ba tumbote ezama bete. Merci beaucoup na mboka Gustave.